Bonjour à tous, c'est le Blaireau Furtif. Donc voici la partie 2 de l'épisode 2. Après avoir rencontré Bad Request qui nous a donné la piste pour rejoindre l'appartement de Kaori Sheridan. Donc nous y voilà, nous allons utiliser Cérémanescence pour trouver le chemin. Salut Niline. Si tout s'est bien passé, on s'est parlé il y a quelques minutes et tu disposes maintenant de ma rémanescence. En répétant ce que j'ai fait, tu pourras te frayer un chemin jusqu'à ta cible. T'es prête? Allez, je commence. Donc j'avais mentionné aussi vite fait dans la partie précédente le nom du... Enfin, la personne qui composait les titres, que j'ai, enfin, des musiques de Remember Me, dont je ne trouvais pas le nom. Ton terminal sensei. Et je l'ai trouvé. Ça y est, toi. Olivier de Rivière. Tu pourras synchroniser leur affichage pour révéler des détails cachés. Voilà, je te laisse synchroniser. On se retrouve de l'autre côté. D'accord. Alors attendez, ouais, voilà. Bon, je voulais faire aussi un point sur Remember Me à propos de la VF. Alors moi je suis pas du genre à cracher sur la VF dans un jeu, mais je trouve qu'il y a certains personnages, leur voix elle est ridicule. Déjà Bad Request, j'aime pas du tout sa VF. Après il y a un mec qu'on va affronter dans pas très longtemps, X-Max. Sa voix est pas terrible non plus. Je sais pas, je suis pas trop fan de la VF. Pourtant je suis pas quelqu'un de qui a l'habitude de cracher sur la VF. Regarder en VO ou en VF, ça me dérange pas du tout. Bon, mis à part les mangas, mais ça c'est autre chose aussi, c'est un peu normal. Bon, il y a juste des exceptions au niveau des mangas que je peux regarder, c'est Dragon Ball Z en VF. Bon, c'est vrai, c'est pas exceptionnel la VF de Dragon Ball Z, mais quand j'ai vu, quand j'ai fait quand je faisais corps 10 cm les bras levés, oui, et bien j'aimais bien regarder Dragon Ball Z, j'adorais ça. Donc regardez encore une fois en VF Dragon Ball Z, ça me dérange pas du tout. Par contre, vous mettez par exemple Bleach en VF devant, non. Désolé, mais la VF de Bleach, elle est à vomir. J'aurais pu trouver mieux quand même. Après, Nicky Larson, c'est pareil, on a l'habitude de l'avoir vu en VF. Ça nous fait... Bon, c'est sûr que c'est vu en VO, comme disait Joueur du Grenier dans un de ses épisodes, c'est pas du tout pareil. Mais bon, comme c'est la première fois qu'on l'a vu, ça nous dérange pas Hey, du tout. je suis de retour. Prêt pour ce petit jeu de piste? Donc voilà, la VF de Remember Me, elle est pas si exceptionnelle sur certains personnages. Mais le jeu n'est pas mauvais. Loin de là. Ah, je vais faire un point aussi, ce que je vais faire en parallèle avec Remember Me. Donc, ça sera Resident Evil 4. J'ai avec Fraps, je voulais l'enregistrer, mais ça ne marche pas. J'ai eu des, comment dire, des pertes d'image. Je sais pas comment expliquer, enfin, c'était sérieusement ralenti. Avec Shadowplay, ça va tout seul. Donc, ça sera Resident Evil 4 en parallèle. Il arrivera pas le week-end prochain, ça sera autre chose si j'ai réussi à le terminer Super. avant. Ça sera une vidéo de Dynasty Warrior que j'avais parlé lors de la vidéo présentation du jeu. Quand tu croiseras des drones, fais bien gaffe. Ils tirent sans poser de questions. Tu vois le genre? Donc ça sera Tant que tu n'entres Resident pas dans Evil leur 4. cône de détection, tu n'as rien à craindre. La difficulté, c'est de les repérer. Je me suis bricolé un scanner pour les matérialiser sur mon Sensen. Donc à chaque fois que tu activeras mes rémanescences, tu pourras les visualiser à ton tour via mes souvenirs. Et un petit saut pour finir. C'est pas exactement ce que je voulais faire. T'as failli tomber, hein? T'as failli tomber. Et voilà, je rentre chez les gens comme ça. Dis donc, Liline, dans une salle de sport. De mes meilleures arrestations en version intégrale. Avec Christmas Murder, rappelez-vous du meilleur de Christmas. Celui qu'on va affronter, c'est X-Max. Ce Kid Christmas, je le connaissais. C'est un chasseur de souvenirs comme moi. C'était. C'est la honte de ta profession. Il avait de l'avenir, mais il a préféré vendre son âme pour du fric. Je pensais que déjà, dans les pubs de X-Max, ça va encore. Sa voix, mais c'est quand on le voit en face de nous, quoi, c'est pas du tout pareil. C'est.
Waouh. Là, il y a un robot qui joue du piano, il y en a un à cirer que je suis là en train de cambrioler. Je vais piquer tes livres. T'en fous? Bonjour. Alors, on fait du nettoyage? Bonjour les pigeons. Hop là. Oula. Il y aura une séance baston, je pense. Oui, oui, il veut avoir de la... Merde. La police est arrivée. Vous êtes en état d'arrestation, Liline. Non. Hop là. Hop là, la galipette. J'avais hésité aussi entre Resident Evil et Evil Within. Evil Within, je vais terminer les deux DLC. Je le ferai peut-être à plus tard. Je vous promets rien pour le moment. Je préfère pas trop m'avancer. En tout cas, Evil Within, ça va être comme Tomb Raider. Hein. Si je fais pas en New Game Plus, il va y avoir beaucoup de ratés. Déjà, quand j'ai fini le jeu, je suis mort 86 fois. J'ai vraiment du mal avec les Sinsen. Hop là, esquive. Hop là, la galipette. Fait dodo. Ils font tous dodo maintenant. Je sais plus par où il faut passer. Je dois vraiment encore grimper longtemps? Kaori Sheridan adore contempler ses créations depuis son balcon. Continue de suivre les rémanescences de Padre Quest. Je suis désolé aussi, c'est y a des certains petits ralentissements. Mais... Pourtant, j'avais jamais, comment dire, ça me le faisait pas trop. C'était parce que je suis en train d'enregistrer en même temps, mais on verra. Parce que j'ai pas un PC de malade non plus. Bon, ce PC qui n'est pas si malade que ça, enfin une belle bête de compète nous fait arrive à faire tourner Evil Within. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je vous mettrai la config quand je jouerai au jeu, si jamais vous. Vous souhaitez l'acquérir sur PC. Ça sera une bonne chose, juste à la première vidéo. Pour aller de l'autre côté, on va exploiter l'interdiction légale des drones de scanner à travers une cloison. Parfait. Maintenant, on utilise la cloison comme couverture. Passe derrière et reste discrète. Donc voilà, vous avez un peu de savoir ce qui va se passer prochainement dans ma chaîne. Je publie régulièrement par semaine, enfin par week-end des vidéos. Demain, je peux. Enfin, demain, pourquoi je dis demain? N'importe quoi. Donc, le week-end, donc
après avoir publié la vidéo de Dynasty Warrior, ce sera Resident Evil. Ça sera en parallèle avec Remember Me. C'est pareil avec Castle Crasher. Hop là. Aïe. Aïe, on tape pas les filles, voyons. Hop là. Si j'ai bien entendu. Je suis une fille, mec. Je suis une fille. Hop là. Plus dodo. Ta cible ne devrait plus être très loin. Je dois récupérer quoi exactement comme souvenir dans la tête de cette femme? Mademoiselle Sheridan dirige le projet Phoenix, la rénovation globale de Néo Paris. Je veux connaître les secrets du barrage Saint-Michel. Le barrage qui domine le quartier? Pourquoi? Disons que je suis pour une libre circulation des biens et des personnes. Et yep. Ah bah on approche de la fin de la partie 2. Après ça va être le boss X-Max. Cette projection doit être déplacée. Non, ce n'est pas bon. Je dois reprendre ces mesures. Putain, la voix lui va pas du tout aussi avec Kairo Sheridan. Et voilà, elle fait pas du tout vieille la gonzée ça. Déjà on voit ses posters un peu dans la ville. Hein. Connexion s'épuise. Quelqu'un brouille notre communication. Essaye d'aller plus haut. Vite, essaye de trouver une autre fréquence. Non. Ouf, la chance. Donc là on a un magnifique panorama, on voit notre tour Eiffel. C'est vraiment sympa. Dans le futur, est-ce qu'ils ont eu le studio Dotnode? Donc voilà, là on va être au boss. Je vais vous laisser sur cette partie 2. A bientôt pour le boss. Salut à tous.